Bonjour, Mamili va vous conter une histoire. Jeudi 16 avril 2020. Des bosses étranges. Ulule était couché. Il est temps de souffler la bougie et de dormir, dit-il en bâillant. Mais à ce moment, il vit au pied de son lit deux bosses sous la couverture. Que peuvent bien être ces étranges bosses, se demanda-t-il. Il souleva la couverture et regarda dans le lit, mais il ne vit que l'obscurité. Il essaya de dormir, mais sans y réussir. Qu'arriverait-il, pensa-t-il, si ces étranges bosses grossissaient de plus en plus pendant mon sommeil? Ça serait bien désagréable. Ulule leva et rabaissa son pied droit. La bosse de droite se leva et se rabaissa. Tiens, une de ces bosses est mobile, remarqua Ulule. Il leva alors et rabaissa son pied gauche. La bosse de gauche se leva et se rabaissa. L'autre bosse est mobile aussi, pensa Ulule. Il retira toutes les couvertures de son lit. Les bosses avaient disparu. Tout ce qu'il put voir au bout de son lit, ce fut ses deux pieds. « Mais j'ai froid maintenant, dit Ulule. Je vais remettre les couvertures sur moi. » Dès qu'il l'eut fait, il revit les deux mêmes bosses. « Les revoilà, s'écria-t-il. Boss, allez-vous-en, je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. » Il bondit et rebondit à la tête du lit. « Mais qui êtes-vous » cria-t-il. « Qu'est-ce que vous êtes ?» Soudain, dans un fort craquement, le lit s'écroula avec fracas. Ulule descendit l'escalier et alla s'asseoir dans son fauteuil près du feu. « Je vais laisser ces deux étranges bosses s'installer sur mon lit par leurs propres moyens, » décida-t-il. « Qu'elles grossissent autant qu'elles le voudront. Je vais dormir ici où je suis bien tranquille. » Et c'est ce qu'il fit.